Salam alaikum. Ah, frère, tu m'as appris ici, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de têtes que je reconnais par la voix. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. C'est bientôt Othman. Ça, ça échappe. Et là, alhamdoulilah, tout le mois, vous avez été habitué à donner, à être généreux. Je ne vais même pas parler du projet, pour vous dire. Je vais juste remercier Allah subhanahu wa ta'ala 4 fois. On va louer Allah subhanahu wa ta'ala 4 fois. La première, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de nous des musulmans. Et c'est le plus grand des bienfaits. Avant même de marcher, de voir, d'entendre, le premier des bienfaits, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de nous des musulmans. On va dire alhamdoulilah une deuxième fois. Alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de vivre le mois de Ramadan. Et il y a beaucoup de personnes qui sont parties et qui rêvaient de revenir dans ce monde pour vivre ce monde. Et comme disait le grand savant Rajab, quand le mois de Ramadan commence à se terminer, il faut multiplier les œuvres. Plus on arrive sur la fin, plus on approche de l'Aïd, plus il faut multiplier les actions, parce qu'Allah a'lam si on sera là l'année prochaine. On n'a pas de certitude. La troisième fois pour laquelle je dis Alhamdulillah, c'est comme l'a dit le Cheikh, c'est qu'on est venu du Havre jusqu'à vous pour une chose. Pour essayer de construire une mosquée, une des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela. On a pris les responsables aujourd'hui de venir à 3-4, on est venu à 14. Parce que tout le monde voulait avoir ces hasanats-là. Si jamais c'est Yom al-Qiyama, si jamais aujourd'hui c'est l'élève du Havre, on est venu à Père. Au moins les 14, ils ont la récompense d'avoir fait 200 km, aller 200 km, retour pour la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, être devant, demander de dons, c'est pas quelque chose qu'on aime. Là, si c'est pour moi, j'ai un problème, je ne demande pas. Mais on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. On le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la quatrième fois, on va dire Alhamdulillah, c'est pour vous. Parce que tout le mois, vous avez été généreux. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il donne l'occasion à un serviteur de faire le bien, c'est qu'il aime ce serviteur. Quand un serviteur il fait le bien, il doit dire, c'est pas grâce à lui, il doit dire Alhamdulillah, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a choisi pour venir dans cette mosquée pour faire salat. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a permis de faire un don, qui lui a permis de jeûner, qui lui a permis de lire le Coran. Et nous, on est là devant vous aujourd'hui pour vous demander de nous aider pour que l'année prochaine, Inch'Allah, on puisse faire talawah dans notre mosquée. Parce qu'il ne manque pas beaucoup, il ne manque que quelques dizaines de milliers d'euros. Il ne manque pas beaucoup. On espère que le prochain Tarawih, Inch'Allah, on le fera dans notre mosquée. Et si vous nous aidez, Inch'Allah, comme ça l'année prochaine, vous aurez les hasanats de notre Tarawih et des gens qui vont venir également donner chez nous. Donc la récompense sera démultipliée. Donc voilà, je n'allais pas faire beaucoup. Respectez mon engagement. Barakallahu fikoum.